L'équipe pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je parle de l'avant-match Monaco-OM qui sera donc demain soir à 21h pour le compte de la 6ème journée de Ligue 1. Le match sera donc au Stade Louis II demain à 21h. Le match va suivre sur Canal Plus Foot. Donc voilà. Alors je vous parlais un peu de l'avant-match aujourd'hui. Alors attention à Monaco, excusez-moi, attention à Monaco qui reste, qui fait plutôt un bon début de saison. Même s'ils ont perdu contre Nice le week-end dernier. Il faut se méfier parce que ils ont une belle équipe et ça roule bien chez eux, même si comme je dirais sur une défaite non méritée de Monaco. Donc il faut faire attention, notamment les deux pénalités ratés de Balogun. Donc voilà. Il faut se méfier de Monaco. On sait qu'à chaque fois qu'on va là-bas, c'est jamais facile. Donc attention à eux quand même. Donc voilà. Ça sera la première de Gattuso sur le banc. On va voir un peu quel dispositif va nous mettre et quelle composition. J'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Donc on va en faire bien demain. Donc voilà. Les joueurs à surveiller côté de deux équipes. Côté monégasque. Alors j'en ai plusieurs en tête, mais je vais vous mettre qu'un. J'apprécie tellement ce joueur que je vais vous mettre. Je pense que vous savez déjà de qui j'ai parlé. C'est bien sûr Follarin Balogun que j'ai vraiment un coup de cœur pour ce joueur. Dommage qu'il n'ait pas mis à l'OM. C'est comme ça, mais j'ai un gros coup de cœur sur ce joueur. Exceptionnel, malgré ses deux pénalties ratés. Ça reste un bon joueur, donc ce sera un joueur surveillé pour mon défenseur. Il a pu faire vraiment de la différence en attaque. Donc attention à lui. Et côté Olympien, je vais vous mettre. Excusez-moi, j'hésite un peu parce que avec les matchs catastrophiques qui viennent de passer, j'ai envie de mettre Vitinha. Vitinha que même si elle est pas encore pas close finalement. Close et Vitinha, voilà, close et Vitinha qui peuvent faire pas mal de différence. Surtout les bons centres de close, surtout sans pour franc, centre normal, ça peut faire la différence. Et Vitinha qui peut planter aussi, donc voilà, j'en ai mis deux côté Marseillais. Vitinha et Jonathan Close. Donc voilà, mon pronostic sera un score de 2-1 pour l'OM, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je pense que ça va être un match assez serré entre les deux équipes, Monaco qui vont vouloir se rattraper après leur défaite contre Nice chez eux. Et nous, bah, on n'a pas le choix que de rentrer avec les 3 points. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet avant-match. Si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce bleu. Vous abonnez à la cloche, commentez, partagez, ciao et allez loin.